Alors, Rainbow Six, c'est un jeu d'attaque-défense. Voilà, c'est un jeu où en attaque, le but est de poser une bombe. Alors, c'est désamorcer la bombe qui est déjà présente sur la carte. Mais en fait, voilà, c'est de poser un diffuseur. Et donc, les défenseurs, eux, le but, c'est de se défendre face aux attaquants. En attaque, il faut donc réussir à ouvrir des murs, détruire des murs pour pouvoir accéder dans les pièces où on peut. Car les défenseurs, ils ont la possibilité de renforcer les murs. Donc en métal, voilà, ils ont des boucliers, ils ont accès à des pièges, ils ont accès voilà, à toutes sortes d'équipements comme ça. Et les attaquants, eux, ont aussi des équipements de ce type. Donc dans une équipe, on est 5 joueurs et donc généralement, on a un capitaine qui dirige un peu la stratégie de l'équipe. Et voilà, et un support ou deux. Et après, des joueurs un peu plus, on va dire, agressifs dans le jeu, dans le teamplay, quoi. On va commencer tous les 5 en attaque sur 6 rounds. D'accord? Pendant 6 rounds, il faut qu'on fasse 6 attaques. Les défenseurs, eux, il faut qu'ils défendent 6 rounds d'affilée aussi. C'est des rounds de 3 minutes. Et donc après, les attaquants, une fois qu'ils ont fait leurs 6 rounds, hop, les défenseurs passent en attaque et les attaquants passent en défense. Et donc là, après, ça va être les premiers à arriver au score de 7. Voilà, donc si tu en défense, t'es fort, tu commences en défense, tu peux mettre 6-0 dès le début, t'arrives en attaque, tu mets une attaque, t'as gagné ton match. Si t'es fort en attaque, tu mets tes 6-0 en attaque et après tu fais une défense, tu la gagnes, tu gagnes 7-0. Généralement, là, en ce moment, la méta, entre guillemets, elle est plus défensive. Donc quand tu commences défense, t'es censé être en avantage sur 70% des maps, on va dire. 60%. Voilà, c'est un jeu de stratégie, en premier pour moi, et en deuxième un jeu de tir. Parce que d'abord, il faut passer toutes ces passes de stratégie, en fait, à pouvoir ouvrir les murs, parce qu'il y a vraiment des complications qui peuvent se faire. Et voilà, c'est un peu ça, Rainbow Six, c'est du siege, c'est de la stratégie et du tir.